Et bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, jour 2 au niveau des calanques de Cassis. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur les calanques de Cassis, on va en direction des calanques de Sormiou, ce Giton, si on arrive à trouver. Voilà. Et puis peut-être un détour par le cirque des Walkyries pour le final. On va voir, ouais. Allez, c'est parti. Bon, on commence par marcher sur une petite route qui est interdite aux véhicules très prochainement, apparemment à partir du mois d'avril. Donc on ne devrait pas croiser grand monde. Par contre, j'ai pas eu comme ça sur un GR. Un GR quoi ça ? Tiens, regarde à gauche. Loin Marseille là-bas avec la bonne mer qui domine. Beau, hein? Beau. Allez. Ouais, pour le retour, normalement, une fois qu'on aura été sur Giton, il me semble par la gauche, on va revenir dans cette calanque qui est cachée en bas et on devrait remonter en face là-bas. Revenir après vers la droite, en dessous par là, et revenir au parking. Ça va être joli ce chemin en crête. T'as vu ça? Tout le chemin en crête. Jusqu'au bout. C'est beau, hein? Ouais. Waouh! Pour le retour, on passera à droite pour rejoindre Sormiou là-bas. Et pour l'heure, on continue par là. Voilà, pour descendre à Morbiou, on remontera par là, le carrefour. Pour l'heure, on va presque jusqu'au bout du cap et on va descendre sur Morbiou. Là, ici. S'il te plaît? Oui, très beau. En plus, on a le soleil aujourd'hui. Oui. Tant mieux.
Qu'est-ce que tu me disais? J'ai pas entendu là-haut. Là-bas, le Cap Canaille qu'on voit là-bas. Avec la... Ah oui, avec la petite pointe, ouais, le sémaphore, on était là-bas, ouais, hier. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais. Attention aux roches qui glissent là. Ouais, ça glisse, là, ouais. Oh, puis là, la descente, elle est raide. Ah, puis j'ai tout mal au genou. Ah, chier. Ouais, fais gaffe au genou aussi. Bon, nous on va laisser à droite le Cap Morgiou et on va descendre en direction de la calanque de Morgiou qui se trouve là-bas. Voilà, on est au col d'Enard en fait, pas au col de Morgiou. Je raconte n'importe quoi. Des grimpeurs qui grimpent. Ah oui. D'aller plonger. Ouais. Il y a plongé, comme t'as vu, on l'a fait. Oui, au pied de, ouais, de la falaise. Ouais. Allez, continue. On est au paradis là? Ça y ressemble. Waouh là là. Ah, on nous a pas menti, hein? Non. Les calanques, c'est beau. Un peu scabreux la fin. Ouais, le voir est-ce que ça glisse, mais ouais, ouais, c'est trop chaud. Il y a des sentiers, il y a des gens qui partent en face aussi.
monte un peu là, non? Hein? Ça monte un peu là, non? Elle a un nom, cette grotte? Non, il n'y a pas de nom, c'est la grotte sans nom. Oh, c'est sympa. Allez, un petit peu de grimpouille, il faut qu'on monte jusque là-haut. C'est très raide. Mais après, en redescendant, bon. Ils y sont bien arrivés, ouais. On descendra sur le cul. Calanque de Sugiton. C'est Sugiton, c'est bien ça? Oui. Ok.
Bon allez, on laisse la calanque de Sugiton derrière nous. Il y a beaucoup de monde. Hein, beaucoup trop. Beaucoup trop, mais on l'a vu quand même. Ouais. Et puis on va faire demi-tour et on va repasser par là où on est arrivé. On va retourner à Morgieu. Allez, je te suis. Fais attention, ça glisse. Allez, on rebascule vers Morgieu. J'ai l'impression après cette descente. C'est une descente de merde. C'est de l'huile savonnée, c'est de la pierre savonnée, c'est incroyable. Ah ouais, ça descend de crise. Allez. Bon, là encore un petit passage. Non, mais ça va. Ça va mieux. Oui, mais bon, ça glisse aussi. Hop là. En train de faire de la grimpe là. On leur laisse, hein. C'est bruit ça. À la côte du renard, ici. Le chemin qu'on a suivi tout à l'heure. En bas derrière les pins, on redistingue un peu Morgieu. De Sormiou. Il n'y avait que de l'eau, ouais, à la pause d'âge. C'est que des petits cabanons de pêche. Hein. Ouais. Sympa. Encore, hein. Il y a un petit bonhomme de grimpe, un petit bonhomme bleu. On va faire de l'escalade encore. Ça va prendre rapidement du dénivelé avec ça. Ouf. Sur la digeste, ouais, la machine est dure à remettre en route.
cette descente pour mieux remonter. Ça casse encore plus les pattes. On a pris un peu de hauteur déjà. Hein? Eh oui. Allez, on continue. On a fini, on a pas là. Il faut qu'on rejoigne ce col. Alors là, on est fin mars. Vous voyez la tenue légère qu'on a déjà. J'ose même pas imaginer en plein été ce que ça peut donner déjà en plein été. Peut-être. Les calanques sont fermées, mais il doit faire un cagnard, mais pas possible. Là déjà on est parti avec 2 litres d'eau, et on a déjà bien pompé, bien qu'il y ait du vent, qui nous rafraîchit en final. Ouais, on se fait bien. Ah ouais, mais il fait super chaud malgré tout, et alors, c'est la bonne saison pour les faire, je pensais. Tu la sens la chaleur des cailloux là déjà? Ça tape là, hein? Ouais. Là ça cogne. Et voilà. On retombe au carrefour de ce matin. Non, c'est qui, le carrefour. Le carrefour. Le carrefour, Morgiou. Et ce matin on était parti par là-bas. On revient par là. Et là, ce gros cairn qu'on a vu ce matin. Donc ce matin on est arrivé par le col ici. Et là on va redescendre sur Sormiou.
coûteux hein, quand même. Hein. C'est plus sportif qu'hier. Hein. Il faut dire qu'on a mis le kilométrage aussi. Hein. Bien avec les roches, elles brillent. T'as vu ça? Ouais. Ces roches-là, là, qui ouais. Un peu partout. Patine dessus, hein? Ouais. Allez. Donc, ça glisse les crampons pour ces rochers-là? Non. Il faudrait moins de mettre de la glu sous les chaussures. Cabane de pêcheurs, bien, hein. Les chopes, ah ouais, c'est magnifique. Et là j'ai une petite pensée pour ma fille, mais vous êtes fous, pourquoi vous vous infligez ça? Vous vous aimez pas ou quoi? Ça doit être ça, ouais. On doit pas s'aimer pour s'infliger des trucs pareils. Non, on aime marcher donc. Ouais. Ça va. Une pensée pour toi ma fille. Allez.
Marseille. On aperçoit le col là, juste à cet endroit là, col de Cortio. Toujours au col de Cortio, on est monté pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté, si on voyait le cirque des Walkyries un peu mieux. Et là on va redescendre au niveau du parking et suivre la sente qui passe dessous là pour rejoindre le col par ici là. Allez, c'est parti. Là-bas, et bon, on va filer en face. Allez, non, j'ai les traits noirs maintenant. Faut pas être daltonien en fait ici. Hein. Un coup c'est bleu, un coup c'est noir, un coup c'est vert, un coup c'est rouge, un coup c'est jaune, marron, rouge et blanc. T'es daltonien, t'es mort. Voilà, non, après il faut avoir un bon GPS, hygiène rando et voilà. On termine sur un petit sentier avec que des pierres qui roulent. Voilà. Le JP s'accroche aux branches. Là, c'est glissade assurée sans arrêt. Trois voitures ce matin.
Et c'est bien rempli, ouais. Ouais, mais joli bambé encore aujourd'hui. Hein. C'était plus difficile aujourd'hui quand même, plus technique. Hein. C'était plus technique, on a fait moins. Ouais. On a... Combien tu m'as dit déjà qu'on a fait de kilomètres? 15,5. Ah oui, 15,5 et 800 des plus. Mais beaucoup plus technique qu'hier. Par contre, encore beaucoup plus joli qu'hier. Ouais, là, ouais. Franchement, c'était la grosse régalade. Belle calanque, quoi. Belle couleur, puisqu'il a fait beau, donc mieux qu'hier. Et à ne pas faire l'été, hein. Ça doit être infernal. Nous déjà, je suis sûre qu'il ne reste plus grand chose des 2 litres, mais on s'est régalé. Franchement, c'est vraiment top ces calanques à faire. Hein. Allez, notre séjour aura été bien rentabilisé. Ouais. Check. Check. Et on vous dit à bientôt, normalement, dans les Hautes-Pyrénées de nouveau. Normal. Ciao, ciao. Ciao.